Et salut tout le monde, c'est Harmonium, nouvelle vidéo sur The Surge. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vaincre le boss de fin du jeu. Donc je vous conseille bien sûr une bonne armure, hein, vraiment bien améliorer tout ça. Ensuite, je vous conseille des implants de vie, hein, beaucoup de vie en plus. Hein, j'ai 420 points de vie alors que normalement vous avez 100 points de vie sans amélioration. Je vous conseille aussi des trucs, 3, 4, 5 trucs de soins instantanés, puis un petit peu de trucs de soins sur le temps. Un petit peu d'énergie, minimum gain d'énergie et puis de l'énergie en plus, hein, pour vous permettre de le drone, par exemple le bouclier, etc. Ensuite de l'endurance, hein, plus 50, voilà, pour faire plus de coups. Et donc le boss, hein, je vous montre un petit peu la stratégie, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Hein. Vous voyez, c'est une entité, hein, c'est des nanites, etc. Hein. Et puis après, voilà, je vous montrerai en plus la fin du jeu, ça sera sympa. Donc il suffit d'aller ici, hein, et là, elle ne vous laissera pas faire, bien sûr, la créature. Hein. Vous allez être éjecté, et là, le combat commence. Hein. Donc vous pouvez voir que ses pattes, hein, elles sont bleues. Il faudra focus les endroits qui sont bleus, hein, d'accord. Regardez bien, je vais focus une, par exemple, la patte qui est là. Hein. Alors attendez, j'aimerais bien y accéder. Hein. Voilà. Beaucoup de soins, ce sera nécessaire. Ce qui fait très très mal. Hein. Je vais voir si mon autre bâton fait pas plus mal parce que lui, il craint pas les dégâts élémentaires, je crois. On va regarder. Moi, je crois qu'il fait plus mal celui-là. Moi, je ressens que c'est kiff-kiff en fait. Je sais pas trop. Donc là, regardez bien. Maintenant, cette partie-là va devenir rouge. Hein, donc, elle est protégée maintenant. Faudra plus taper dessus. Faudra taper sur l'autre partie qui est bleue. Enfin, bleue ou blanche, hein, plutôt. Plutôt blanche. Hein, d'ailleurs. Bien réactiver son drone bouclier de temps en temps. Voilà. Hein, ça protège bien des dégâts. Hein. Et on tape. Par contre, il faut attendre des fois que l'endurance se régénère un petit peu. C'est pas évident. Voilà, donc là c'est bon déjà. Maintenant on focus l'autre partie. Hein. Attendez, on attend un petit peu. Maintenant c'est dans son dos. Hein. C'est ici là. Vous voyez, hein, c'est bleu. Hein. Vraiment bleu. Le drone me protège vraiment bien, hein. C'est extrêmement important de l'avoir. Les soins sur le temps, c'est important si vous prenez pas trop de dégâts grâce au drone, etc. Ça se complète. Hein. Et boum! Regardez, maintenant vous courez sur la borne et vous activez la destruction de cette cible avec la surcharge du noyau. Ok, maintenant préparez-vous à esquiver, hein, c'est extrêmement important. Si vous n'esquivez pas, vous êtes mort. Esquivez bien, le temps ralentit d'ailleurs pour vous aider. Hein. Ok, donc maintenant c'est. On combat une sorte de. C'est comme un jeu. Hein. Je vous conseille la technique du POC, hein, comme je vous ai expliqué dans mes vidéos, c'est-à-dire. Tout doucement, vous tapez de temps en temps. Hein. Comme ça, voilà. Là, c'est bien. Comme ça, on prend pas trop de risques. Avant un coup. Avant un coup. Comme ça. Vous la jouez sécurisée. On a envie d'être gourmand. On a envie de lui mettre plein de coups dans les dents. Mais, croyez-moi, il vaut mieux se la jouer safe. Ah, vous avez vu, voilà. Hop, on continue comme ça, c'est la stratégie un petit peu du lâche. Hein. Mais franchement, rien à secouer. Hein. Ok, fatal. Là, le boss est mort, hein. C'est gagné. Et voilà, processus indésirable hors ligne. On obtient les griffes de Gestalt, hein, donc... Donc je crois qu'il est pas, il est résistant aux attaques élémentaires. Vaut mieux une attaque vraiment, une arme brute, hein, je crois, de dégâts. Et donc voilà, je vous laisse apprécier la fin. Hein. J'espère qu'il y aura un 2, hein, The Surge 2. Hein. Je pense que le jeu est vraiment très sympathique à jouer. Hein. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Donc vraiment,
rien à redire, une difficulté un petit peu élevée, mais une difficulté élevée où on y arrive, finalement c'est pas si élevé que ça. Donc là voilà, la fusée s'envole. Une fusée remplie de produits qui transforment les machines, etc. en cinglés, on va dire. Par contre, vu que j'ai injecté le virus dedans, normalement c'est atténué. Et donc les machines seront... plus depuis 4 jours. Ce sera un petit peu moins que ça. Les lancements continuent, mais nous n'avons pu contacter personne dans le complexe. Envoyez une équipe sur place. Voyez, les lancements continuent, tout ça, des drones et des robots. J'avais une connexion. Nos satellites ont détecté une dispersion. Voilà, une dispersion, voilà. C'est inerte, mais totalement différente. Nous sommes en position, monsieur. Nous avons envoyé des drones de reconnaissance. Voilà, ils ont envoyé des drones et tout, et il n'y a rien. Vous voyez ? Moi j'ai bien peur que la machine se soit un petit peu répandue. Ils nous rendent libres. C'est notre ticket de sortie, je vais sauver ma peau. Donc, oui, on a tué une sorte de programme en fait. Hein. Donc j'imagine que le programme a peut-être pu se télécharger ailleurs. Ou était peut-être dans la fusée ou je ne sais quoi. Et du coup, le 2 va sûrement exister. Donc là maintenant je débloque un New Game Plus. Hein, qui est plutôt dur. Donc, avant de faire le New Game Plus les amis. Parce que là la fin se lance tout de suite. Hein, donc là, voilà, grâce à cette vidéo au moins, je vous le dis. Attention, après ce boss... La fin, c'est terminé, c'est New Game Plus immédiat. Donc moi j'ai dû recharger une sauvegarde que j'avais mise sur le cloud de la PS4. Du coup j'ai perdu 2-3 heures de temps de jeu. Et j'ai dû tout refaire et tout, mais parce que c'est extrêmement important d'explorer toutes les zones et tout, avec les nouvelles compétences que vous avez pour débloquer les portes, etc. Avant de finir le jeu intégralement. Parce qu'il y a des petits noyaux pour améliorer les armes en MK5. Il y a des bonus, des implants, etc. Bien puissant, etc. Donc là, vous pouvez voir que notre héros, son exosquelette ne fonctionne plus. Vous savez que notre héros, ses jambes ne fonctionnent pas, il est handicapé. Donc du coup, il est en train de ramper jusqu'à son fauteuil. Et du coup, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Hein. Est-ce qu'il va reprendre du service? Est-ce qu'il va se battre? Est-ce que le jeu est vraiment intéressant, en tout cas. Parce que là, on revient au point de départ, hein, du coup. Il reprend son fauteuil. Il est venu, il s'est engagé, je pense, pour ne plus être handicapé puis avoir un exosquelette. Et à la fin, il redevient ce qu'il était, c'est-à-dire handicapé. Et il a tout vécu, des trucs de dingue et tout. C'est vraiment impressionnant pour son premier jour de boulot, quoi. Et voilà, vous pouvez voir que là, maintenant, le New Game Plus va être disponible. Là, ils vont nous le dire, je pense. Vous avez terminé le jeu, félicitations. Un nouveau mode vous attend, sélectionnez continuer. Puis votre dernière sauvegarde, maintenant marquée NP+, pour commencer un nouveau périple avec des défis et surprises inédits au rendez-vous. Vous conservez la totalité de votre équipement, de vos armes et la progression de votre personnage. Donc voilà, je vous invite vraiment à tout prendre avant, parce que du coup, vous allez en avoir besoin. Parce que croyez-moi, c'est bien plus dur, hein, mon avis, le New Game Plus. J'ai testé tout à l'heure, hein, au lieu de mettre un coup pour tuer des fois des petits drones à la con, je mettais 4 à 7 coups avec mon bâton extrêmement amélioré, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je vous invite à vous abonner pour les prochaines vidéos, j'espère que cette vidéo vous a aidé quand même. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, mettre des petits commentaires comme toujours, me rejoindre sur les réseaux sociaux, me rejoindre pendant mes streams, etc. Vous savez. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao, ciao.